Moi, je vous sers un gbaïman sans floco. Trop abidjanais, mon slam, c'est pas choco. Ma tête est béo, donc les mots, pas besoin de les coco. Inch'Allah, un jour à ma porte, le succès fera coco. Salut, c'est Capégique, parfait Kofi à l'état civil, membre du collectif au nom du slam. Je vous sers le slam, Coco Baka. Ah, ce n'est pas à demander, mon gars. C'est le graya du peuple, aussi aimé que Droba. Poisson est encore au feu, hein. Mais fourchette en main, on y agace. Votre artiste Capégique, titulaire d'une maîtrise en lettres modernes, d'un master en communication, quelqu'un a dit que rien ne se fait, tout se transforme. Donc aujourd'hui, tous ces bagages-là me servent déjà à écrire mes textes. Couscous de manioc au thon, alias Garba. Le vrai bonheur, on l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Demande aux Ivoiriens qui sont en bing, ce qui leur manque le plus. J'ai grandi dans un quartier, dans une commune où le Nouchi vraiment est omniprésent à Bobo. Je me suis rendu compte que cette langue-là, il y a une sorte de musicalité dans cette langue. Et en plus de ça, je voulais m'adresser à mon public, à mon environnement immédiat, ceux qui étaient à côté de moi. Le langage de mon entourage, c'était quoi? Le Nouchi. Et déjà, mes premiers textes, paf, j'ai commencé en Nouchi. C'est le meilleur dabali au monde. Même pizza n'a pas qu'air. Pas besoin de passer à la télé. Ce qui fait sa publicité, c'est son odeur. Je fais ce qu'on appelle ce que j'ai intitulé le slam Coco Baka. Voilà, Coco Baka, parce que Coco Baka, c'est un aliment, un plat qui est beaucoup prisé dans les ghettos. Déjà, ça fait une sorte de symbole. Quand tu dis Coco Baka, déjà, les gens qui se retrouvent, déjà, ça fait une image, ça oriente l'esprit des gens. Faut pas regarder la couleur de l'huile, là. Ça tue pas africain gros nez. À Capégique, il y a des grands rêves. Il y a des grands rêves, déjà. Les rêves, bon, les projets à court terme, c'est déjà avec mon collectif au nom du slam, faire vraiment la promotion du slam. C'est un plat orange, blanc, vert, tomate, oignon, piment. Un vrai soutrali pour tous les mogos piqués. À ça nous fait les yeux doux, mais les Aoussa nous ont déjà glacés. Et personnellement, cette année, je prévois un certain nombre de singles qui vont aboutir sur un album. Voilà, déjà, j'annonce le titre de l'album, Le Graya du Peuple, et aussi une série de showcases dans différents endroits, à Abidjan, à l'intérieur, pour vraiment être au contact avec le public. Pourquoi pas devenir le Magic System du slam, ou le Asalfo du slam, le Didier Drogba du slam, faire connaître le slam ivoirien partout. C'est mon rêve. On dit ébrier, créa, tieke, mais Aoussa inventa Garba. En quête de production aussi, Capégique, pouvoir accompagner tous ces projets, tous ces rêves-là, les mettre en phase de réalisation, un producteur serait le bienvenu. Donc à Bobo, on boit. À Djamé, on boit. Matori, Trècheville, Cocody, on boit. À Tékoubé, on boit. Au ghetto, on boit. Maintenant, même les chocos, eux tous, maintenant, ils boivent.